à la découverte d'un groupe de musique traditionnelle portugaise mise au goût du jour, comme c'est la mode. Madre Deus, actuellement en tournée en France. Madre Deus, Mère de Dieu, c'est le nom d'un quartier de Lisbonne où nous les avons retrouvés. Reportage Louis Carzou, Pascal Puyot. Pour les touristes pressés, Madre Deus, ce n'est que le nom d'un quartier de Lisbonne. Mais depuis un peu plus de 10 ans, pour les mélomanes curieux, ce nom de Madre Deus évoque une belle histoire. Celle d'un groupe portugais, le seul dont la musique s'envole bien au-delà du Tage, emmené par les guitares de Pedro Magalhães et la voix magique de Teresa Salgueiro. Madre Deus, Pedro Magalhães en a rêvé de longues années. Après une expérience rock, ce fils de marin est revenu aux sources de la tradition portugaise, le fado. Mais le compositeur de Madre Deus a enrichi cette tradition de ses voyages musicaux pour arriver à ces mélodies uniques où se mêlent histoire d'amour et lendemain de spleen. C'est différent des anciennes démarches portugaises. Mais je pensais, à beaucoup d'années avant, que peut-être dans notre siècle le plus fort des moyens de communiquer et aussi le plus intéressant à être créatif, ça serait la musique. Aujourd'hui, l'on vient du monde entier pour une simple séance photo avec Madre Deus sur les remparts du château Saint-Georges. Mais entre deux tournées qui l'amènent de Paris à Tokyo, Teresa n'oublie ni Lisbonne, ni le tout premier chant qu'elle est bercée de sa voix. Pedras do chão.